dans nos français ivoiriens. C'est à moi qui a fait. Moi j'aime bien les gens qui me parlent comme ça. Je les aime bien, les voyous comme ça. Comme ça, je leur ai montré ce qui est à moi. Je leur ai dit, ce qui est en train de faire, il y a deux fois ça à moi. Je t'enferme. Alléluia. Amen. Il y a un sorcier bizarre qui me lance un défi, un bateau. Je lui ai dit, je te prends pour t'enfermer dans le tête. Il dit, t'avais comment? Il dit, comment t'as-tu fait pour toi? Oh. Toi, tu fais comment pour toi? Il dit, ah, il dit oui. Jésus. Il est là, il me regarde. Jésus, son corps. Par exemple, tu fais là. Moi, il peut parler ton âme, puis il dit, t'enferme. Puis il dit, cassure. Mais, c'est toi. Entre Dieu et Satan, qui est mis son camarade? Qui copie son camarade? Satan. Il va dire, toi, c'est que tu te mets l'ange en bouteille. Il est resté tranquille. Parce que la suite, ah, bouteille là, c'est sérieux. Lui, il connaît ça. Moi, il dit, je connais cinq poissons. Car il tient un langage qui n'est point celui de la paix. Amen. Vos ennemis, là, vous allez écouter. Oui, c'est parce que vous êtes comme ça, tout le monde. Dans leur langage, leur manière de parler. Tu sais ça? Tu sais qu'il ne veut pas être toi? Non, tu sais ça. Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'intuition. Or, nous faisons confiance aux gens bêtement. Moi, depuis, j'ai commencé dans faire de sorcellerie. Je ne fais pas confiance à l'homme à 100%. Si elle te fait confiance, c'est tout, tu es bon. Amen. Amen. Tu es bon. Parce que l'homme, vous voyez, il est changeant. Il peut t'aller aujourd'hui, puis demain, il te lâche. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des fonds de sensibles. Les gens qui viennent, ah, non, 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 il ne veut pas. Toi, tu as quel pouvoir pour savoir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. J'aurais dit, mais tu as quel pouvoir? Non, depuis que, c'est ce qu'on appelle sorcellerie. Tu sais que la personne a vendu sur toi. Elle n'a pas mangé, mais tu sais comment elle a vendu sur toi. Toi, tu es cadeau, tu es en train de te. On te nourrit, tu te manges demain. On y va. Il médite la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Il médite. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de te dire comment te détruire. Comment te détruire. Les gens là, ils ne vont jamais vous aider. Ils ne vont jamais acheter même quelque chose pour toi. Toujours eux. Il faut que toi tu sois à leur service. Et les conseils qu'ils te donnent là, que tu étudies très bien, ce n'est pas dans le bon sens. C'est pour te gâter. On y va. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ah, ah, nos yeux regardent. Je l'ai programmé, il va mourir. Il regarde, il attend ça. Il regarde. J'ai décidé de gâter son foyer. Il regarde, il attend. Nos yeux regardent. Et ils attendent. Et tous les problèmes, c'est de voir chuter. Tu dois être humilié. Là où les gens avancent, toi, tu es détruit. Il y a des coins même. Quand tu es là-bas, tu sens qu'ils ont obligé à l'argent. Et il va te mettre en prison là-bas. Spirituel, bien sûr. Tout ce qui est argent là, ça ne vient pas chez toi. Ça a peur de toi. Tu as la peur que l'argent te fuit. Ok. Éternel, tu me vois. Mm-hmm. Ne reste pas en silence. Ne reste pas en silence. C'est ça, on va faire. Je vais vous donner âme chimique. Dieu doit descendre. Nous allons faire descendre le ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y a longtemps, il est assis au sommet de Dieu. Puis il regarde la chose. Et puis il descend. Viens. Allons-y. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Je vous ai conté l'histoire hier de David. C'est ce qu'il a prié de David. David, ne t'éloigne pas de moi. Et quand Dieu se loigne d'une personne, s'il est comme ça, il ne va pas demander. Il ne va pas derrière. Le sorcier vient, il te prend. Au moment où Dieu veut regarder, c'est fini, t'as déjà mis côté. Comme galette. Elle est comme ça, comme des croquettes. Allons-y. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Dors. Dieu, j'ai l'impression que tu dors. Réveille-toi. Et puis si tu te réveilles là, viens me rendre justice. Nous allons beaucoup prier ce soir. Ouais.
Vous savez, nous sommes dans le septième mois de l'année. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Donc, les gens, eux, commencent déjà à agir. Le chiffre 3 aujourd'hui, le troisième jour de juillet, c'est le chiffre de la victoire. Amen. Et nous sommes le vendredi. C'est-à-dire qu'on a tout. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va marcher. Amen. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Or, ce qu'on appelle grâce, c'est le don immérité. C'est-à-dire que tu ne mérites pas, mais tu vas avoir ça. Amen. Tu ne mérites pas, hein, mais comme c'est aujourd'hui, là, tu vas avoir ça. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est pour ça qu'il faut être un homme spirituel. C'est quoi mon enseignement à l'église? C'est ce que moi je vous enseigne. Parce que je suis prophète. Le prophète n'est pas comme pasteur. Le prophète vous enseigne les mystères. C'est comme professeur de maths et de français. Lui vient dans le cours de français, l'autre vient dans le cours de maths. On n'a pas les mêmes enseignements. Moi, je vais t'enseigner comment tu peux être protégé contre la sorcellerie. C'est mon domaine. Quand quelqu'un est là contre toi, comment le faire tomber? C'est ça, il donne comme enseignement. Alléluia. Ton argent est bloqué, comment débloquer ça? Je donne ça comme enseignement. Je suis là pour ça. Débloquer les situations. Je suis une clé. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu sais que péché n'est pas bon. C'est pas moi qui vais te dire ça. Tu cherches femme de quelqu'un, tu sais que tu vas aller en enfer. Moi, je vais te dire non, faut pas chercher femme de quelqu'un. Tu connais? C'est péché. On doit pas, hein? Amen. Alléluia. On y va. Mon Dieu et mon Seigneur. Mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel. Mon Dieu. C'est que dans mon cœur, il n'y a pas de haine. C'est ça. Il n'y a pas de haine. C'est parce qu'ils ont dit. Ils ont décidé de me détruire. Donc juge ma cause. Mais ne laisse pas me détruire. Tu vas mourir un salaud quand tu n'as rien pas travaillé, tu n'as pas ton argent. Tu peux qu'il va quitter ta maison. Mais quand tu viens, quitter ta maison. Le monsieur a souffert. Il construit une maison. Et toi, c'est ce qui te gagne. Et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Il ne se réjouisse pas à mon sujet. Qu'il ne dise pas dans leur cœur. Il ne dise pas dans leur cœur. Ah, ah. Voilà ce que nous voulions. Comme ça, je l'ai prié avant de dormir, annuler toutes les paroles et d'appliquer les gens. Parce qu'ils sont là en train d'étudier comment vous pouvez respirer. Et toutes les pensées, vous pouvez faire. Qui ne dise pas, nous l'avons englouti. Nous l'avons englouti. Pour eux, c'est englouti. Ce combat. Mets-toi dedans aujourd'hui. On y va? Que tous ensemble. Le quartier là où dormait, respire le sommeil ici. Ceux qui se réjouissent à mon malheur. Oui, la honte dans leur cas au nom de Jésus. Amen. Qu'ils revêtent l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte, la plus grande honte. On parle de l'ignominie. L'ignominie, c'est la plus grande honte. C'est la plus grande honte.
c'est eux qui doivent avoir la plus grande honte. Parce qu'ils voulaient me voir périr. Moi, ils commençaient à prospérer. Dès aujourd'hui, les choses vont changer. Amen. Les choses changeront. Ils vous ont mis au point zéro. Ils vont changer les choses. Les choses vont changer. J'ai calculé les choses vont changer. Les choses vont changer. Je pense qu'il y a personne. Mais réalisez qu'on ne verra pas. Mais tu sens Jakaora, spirituel. Il y a des gens, même quand tu es à côté d'eux, leur odeur qui dégage, ils sentent que c'est les sorciers en Jésus. Amen. Tu calcules même pas le coup. Et tous les souhaits se trouvent dans le malheur. Presque détruit. Et tu es là, tu n'as même plus les moyens. Petit truc qui t'a envie de faire là, eux, ils sont en train de gâter ça. On y va. Qu'il ait de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Amen. Amen. Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera la justice. Je vous dis, la volonté de Dieu que nous soyons tous en paix. Amen. Amen. Et maintenant, prends le psaume 55 qui vous est prévu. À partir du verset 10, du verset 9 plutôt. Je trouverai vite un abri contre le vent violent, contre la tempête. Seigneur, embrouille les paroles de mes ennemis. Embrouille les paroles de mes ennemis. Divise-les. Divise-les. Amen. Amen. Ça, c'est important dans la prière. Hein? Parce que l'union fait la force. Quand on va commencer à se mettre ensemble, les flèches vont envoyer contre toi, etc. Que Dieu les divise. C'est pour ça que quand on va commencer à te détruire, ils vont commencer à creuser autour de toi. Se faire des amis, des alliés autour de toi. Et puis on va commencer à te creuser. Te détruire. Ils feront des amis autour de toi. C'est pour ça que la Bible dit divise-les. Allons-y. Oui, je vois la violence et des disputes dans la ville. Mm-hmm. Jour et nuit, elles font le tour de ces murs. Dans la ville, c'est le malheur et la misère. Dans la ville, on tue les gens. Sur les places publiques, on passe son temps à mentir et à tromper les autres. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Cela, je le supporterai. Ce n'est pas un ennemi. Quand je pense que c'est un ennemi, là je peux le supporter. Mais Esaïe, il est contre moi. Ce n'est pas celui qui me déteste qui se dresse contre moi. Ce n'est pas celui qui pensait qu'il me déteste, oui. Sinon, je l'éviterai. Sinon, je l'éviterai. Allons-y. Mais c'est toi. C'est toi. Un homme de chez moi. Un homme. De chez moi. De chez moi. Mmh. Un homme de chez moi. Reprends le verset un peu plus haut que tu descends. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Le verset qui m'insulte. Psaume 55, le verset 9. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Là, je peux comprendre. Cela, je le supporterai. Je peux supporter ça. Ce n'est pas celui qui me déteste. Ce n'est pas celui qui me déteste. Moi, je sais qu'il lui laisse mon ennemi, mais même pas. Sinon, je l'éviterai. Oui. Mais c'est toi. Mais c'est toi. Toi qui j'ai donné à manger. Toi qui donnes le même lit que moi. Toi qui j'ai rendu service. Un homme de chez moi qui a l'habitude de rentrer dans mon intimité. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui me fais ça. Je te donne l'argent quand tu as des problèmes. C'est toi. Ok. Mon ami, toi qui es toujours avec moi. Toi, mon ami, toi qui es toujours avec moi. L'intimité, ami, un intime.
toi qui es toujours avec moi. C'est toi qui me fais ça. Avec toi, nous échangeons des paroles d'amitié. Vous comprenez, nous échangeons des paroles d'amitié. Il te disait tout. Tout, tu sais tout sur moi. Et nous marchons ensemble dans la maison de Dieu. Nous marchons ensemble. On y va, monsieur. Le cœur de mes ennemis est plein de méchanceté. Amen. Alors, je souhaite que la mort tombe sur eux. Alléluia. Amen. Je souhaite cette fois-ci que je change de méthode. La mort doit tomber sur eux. Amen. Nous allons signer des décrets. Et le programme, hein? Vous programmez les gens. Je vous programme, vous allez rentrer sous remorque. Amen. Écrivez les noms des gens, voyez-moi ça. 17h. Amen. Voyez-moi les noms. On va programmer ça. Nous allons confier la journée au Seigneur. Cette journée est faite pour le combat. Et nous allons dire à Dieu, nous sommes prêts, mais avec lui. Qui nous donne la force nécessaire. Qui nous donne toute cette grâce. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Qui a foi que ses ennemis seront à terre? Amen. Est-ce qu'on n'a même pas un peu? Non. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. On n'amène pas un peureux en guerre. Si tu veux affronter un combat, et puis tu as peur, tu ne fais pas confiance, ce n'est pas la peine d'aller sur le terrain. Amen. Il faut être sûr que la victoire est dans ton camp. Amen. Tu vas chercher ta victoire. Amen. Pas autre chose. Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui c'est un jour de combat. Je vous ai fait porter treillis comme ça. Amen. Treillis spirituel. Amen. C'est comme ça. Aujourd'hui là, c'est pas. Les sorciers vont tomber. Amen. Le décret aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un négocier. Non. On les fait tomber. Amen. Maintenant, je vais te donner, je vais prendre dans la prière pour donner âme. Ça, c'est 17h. Pour donner âme chimique. Tu vas affronter un combat. Il y a trop de secrets, il y a trop de choses que vous devez savoir. Amen. Amen. Vous allez manger dans là. Vous mangez l'homme. Quand l'homme est fait pour manger. C'est pour manger. Il y a les bébés dedans, il y a les vieilles dedans. Ça dit mal l'homme. C'est mal l'homme. Qui t'a donné ça? Adieu. Hein?